Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une tablette de 7 pouces, la Freelander. On ne voit pas très bien, j'ai fait exprès pour essayer de garder bien l'appareil. Ah, il n'y a pas d'autofocus, alors je le règle d'abord sur l'appareil avec une luminosité faible pour qu'on puisse bien voir après. Donc il est vendu dans ce coffret, hein. Voilà, on a câble USB, micro USB, très bien, un câble OTG pour lire les clés USB par exemple. Hein. Et on a le chargeur qui délivre 2 ampères comme ça nous permettra de charger vraiment la tablette rapidement. Donc la tablette, sa grande originalité, comme on peut le voir, c'est que les bords sont vraiment petits. Souvent sur les tablettes, on a un rajout. Donc là, on a 7 pouces qui voilà, c'est agréable à prendre en main. Là, bien en main, c'est léger. Plastique est sympathique à l'arrière, même si on ne voit pas très bien là. Donc hop, je vais éteindre, je vais allumer la tablette d'abord. Et hop, voilà. Donc la tablette n'est pas super active, on va le voir tout de suite. Voilà, vous voyez. Un exemple très net, ça met du temps. Les angles de vision, voilà, on peut voir aussi que c'est pas ça. On perd très vite en qualité et il faut vraiment être bien situé en face, sinon c'est un peu juste. Cette tablette peut faire phablette puisqu'elle a un port SIM et un port micro SD. Donc c'est la petite originalité. Mais ceci dit, vu l'écran qui est quand même pas terrible, qui est en plus un écran de tablette, il n'y a pas de luminosité automatique. Donc si on va dehors, ça nous de la régler et même si en plein luminosité, ça ne sera pas terrible. À la GPS, à la Bluetooth, donc ça c'est plutôt bien. Elle est plus destinée à des casual games. On est sur de l'Android. 4.4.4.2, comme on peut le voir, les mises à jour système, il nous dit que voilà, notre système est à jour avec un petit message d'échec, je sais pas trop pourquoi. Donc ça c'est plutôt moyen quand même, hein, puisque du coup on est en 2015, on a Android 6 et là on est sur du Android 4, donc c'est pas super réactif. Alors nativement on a tout ça installé. L'appareil photo est plus là pour le fun, hein, avec un 2 millions de pixels en façade, derrière et 0,3 en façade, c'est quand même pas ça. On a donc quelques trucs installés quand même, dont pas mal de choses de Google et un lecteur vidéo. MX Player qui est bien connu et qui est agréable à utiliser. Là j'avais mis un film dedans pour vous montrer, hein, parce que on peut voilà augmenter la luminosité, le volume, donc ça réagit bien. Par contre pour la lecture vidéo, alors toujours avec la réserve des angles de vision, hein, on voit que voilà, mais sinon si on est bien placé et tout, ouais, c'est agréable de regarder un film sur la tablette quand même, hein. Et puis bon, bah, voilà, ça réagit en directement. Donc ça c'est le côté positif. Sinon, hop, on va repasser sur le mode menu. On va pouvoir faire une petite démonstration de... Bon, on a le Play Store installé nativement. Donc là, j'ai même pas mis mon compte. Donc on pourra remettre son compte. Alors, hop, si je la bascule pas, ça va pas le faire. Voilà, c'est tout de suite mieux. Et du coup, internet. Voilà, par contre, la définition de la tablette est trop juste, hein, d'ailleurs. Hop, je voulais cliquer sur actualité et non pas sur. Allez, il est resté bloqué. Voilà, hop, actualité, mettez-moi les actualités. Hop, voilà.
Donc on peut voir que par contre c'est réactif quand même. Donc pour Internet, c'est bien. Mais justement, là on est sur une définition quand même un peu faible. Et on voit que l'écrit est pas net quand même. On a l'impression que ça laquait du grain. Alors même si ça réagit bien. Alors là on peut pas zoomer parce que c'est déjà prévu pour être en mode mobile. Ah! Je fais des gros doigts. Non, je vais plus revenir en arrière, si. Mais justement, on voit que là, par exemple, c'était un exemple concret, il met un peu de temps à revenir en arrière. Là, c'est plus rapide, mais il y a un peu de latence quand même, quoi. Voilà, on voit qu'il y a un peu de latence, ça réagit pas. Dès qu'on clique dessus, voilà, et puis le... Voilà, quand on zoome vraiment, on voit quand même les pixels, hein. Même si il y a pire aussi, hein. Hop, voilà ce qu'on peut dire. Donc c'est une petite tablette quand même plus destinée aux casual games, aux petits jeux qui demandent pas trop de ressources. Et puis sinon, ben, c'est plus pour une première utilisation quand même, parce qu'elle est un peu frustrante par certains côtés où on voit qu'il y a un petit peu de latence. L'écran, voilà, il fait quand même mal aux yeux si on joue. Ouais, vous avez vu le temps que ça met pour tourner. Et quand on joue à des petits jeux et qu'on. La lisibilité, c'est pas trop ça. Hein. L'écran, on voit qu'il est pas net. Et donc, ça fatigue un peu quand même. Mais l'expérience est pas optimale. Donc, pour moi, je la vois plus pour un début. Et puis après l'utilisation avec la carte SIM, c'est plus anecdotique pour moi, puisqu'on peut pas vraiment l'utiliser comme une tablette, hein, parce que on voit que l'écran n'est pas super réactif, qu'il est mauvais en extérieur, donc je vois pas trop au quotidien, enfin je me vois pas en tout cas au quotidien utiliser ça comme une tablette, hein. Donc voilà ce qu'on pouvait dire en gros de cette tablette, hein. En fait, son gros avantage, c'est de son uniformat et puis son prix canon qui en fait une entrée de gamme qui est pas trop mal quand même pour un débutant. Voilà. Par contre, une autre personne plus expérimentée s'énervera assez vite sur la tablette. Hein. Si quelqu'un est habitué au standard 2015, il pourra pas passer sur cette tablette parce que du coup, elle est quand même pas très réactive et puis l'écran fait mal aux yeux quand même pour 2015. C'est un peu faiblard, quoi. Donc voilà ce qu'on pouvait dire grosso modo de cette tablette qui par contre voilà l'accès au Play Store est direct, hein, y a pas de souci. Et puis bah, voilà, pour lire les petites actualités internet ou des livres et tout, c'est impeccable, y a pas de souci de ce côté-là. Merci pour votre attention. Et salutations geeks.